À une Jupiler, je peux pas résister. Bon, si j'aime bien les chimées. Hein. On connaît plein de chansons sur Paris. Beaucoup de gens ont écrit sur Paris. Pas tant que ça sur Bruxelles, finalement. On pense tous à Bruxelles, ma belle, Dickens Garn, mais c'est une ville incroyable, très secrète. J'avais envie d'écrire sur l'atmosphère qu'il y a à Bruxelles. Et en l'occurrence, je voulais raconter l'histoire de deux amants qui se retrouveraient la veille de la fin du monde sous la rotonde de Botanique. Qu'est-ce qui pourrait se passer cette nuit-là, en fait? Et c'était un soir sous la rotonde. J'ai vécu des moments merveilleux à Liège et qui m'ont construit aussi. Donc, pour répondre à votre question, probablement que... Il y a peut-être quelque chose encore qui est là, puisque je ne peux pas écrire de chansons sans qu'il y ait du vécu. J'ai une émotion particulière avec Liège, une histoire particulière. Le Liège de la scène culturelle, le Liège empireuse, le Liège de ces endroits où s'échangent beaucoup autour de la musique, l'escalier, le potolet. Cette déco-là, elle est unique, hein. C'est ce qui fait cette atmosphère. On se sent incroyablement bien dans cet endroit-là, mais parce que c'est très étrange, très original, très osé. Quand tu viens de Corse, que tu n'as connu que la plage, les ruelles méditerranéennes, le linge aux fenêtres, arriver en Belgique, c'est l'exotisme. Le vrai exotisme, c'est au sens de ex, hors de. Tu es hors de tes murs. Quand tu découvres les briques rouges, les beaux windows, ben là, t'es dans la pochette de Definitely Maybe, tu vois. Et c'est peut-être sur ce genre d'éléments-là que tu trouves le courage de présenter tes propres chansons.